Il n'y a que des athlètes Nutrimuscle. On est là pour des défis sportifs. Là, j'ai cuisiné un truc. Il n'y a pas de tactique, là. Apparemment, il y a beaucoup de cardio. Ça va être la merde. Faites du bruit. On va faire un tirage au sort, ça va être Anna, la main innocente de Nutrimuscle, qui va tirer au sort, d'accord? En fonction de ça, vous allez affronter une certaine équipe. Première confrontation, je t'en prie. On aura trois exercices pour la première épreuve. Chaque épreuve va fonctionner sous le même principe. Aurélien connaît bien, tu es champion en titre. Ouais, on peut l'applaudir quand même, hein? Un mélange là, force, explosivité, cardio. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Hein. Le but, c'est d'aller le plus vite possible, de faire le moins de temps possible. Et plus le poids est lourd, en fait, plus on va gagner un bonus de temps. La première épreuve va être composée de... Vous avez 20 deadlifts à faire. Enchaîné par 50 pompes. Fini par 50 calories au rameur. Ça va être cardio là encore. Parce que je vais mal terminer. Là. Après, c'est mes mouvements. Pompes, deadlifts. Non, ça devrait aller. L'ambiance est palpable. L'ambiance me fait du bien. On vient de Bordeaux, on n'a pas beaucoup dormi, on a fait de la route et tout. Bah écoute, on est venu voir un peu les ambassadeurs qu'on suit sur les réseaux. Moi je soutiens Céline, donc je suis full bras. Après je soutiens aussi Julien, ils sont dommage, ils sont pas dans la même équipe. Je suis obligé de gagner, tu vois, parce que je les vois moi et ça me motive. Donc je me dis je suis obligé de gagner. D'accord. Ah, attention, oh putain. Donc ça, je tombe contre lui à la première épreuve, il veut déjà me blesser. On va les défoncer de toute façon. 3, 2, 1, c'est parti. C'était peut-être un peu ambitieux là. Avec ton monadium, je trouve que c'est très impressionnant et on est dans l'ambiance. Ça va, on a essayé de faire le taf. On espère qu'on a eu un bon temps. Non mais regarde-moi ça. Comment tu veux que je sois serein? Regarde-moi ça. Ah ouais, le rameur était vraiment dur. Je suis mort là. Bon allez. Non mais vraiment ils sont énervés, c'est incroyable, incroyable. Allez, c'est qui le champion de France ici là? Allez. Ok les garçons. Ah, Saladin, c'est un monstre. Hein. Aujourd'hui, c'est la personne que les gens connaissent moins. Donc les gens, ils se rendent pas forcément compte, mais ouais. Ah, ouais, c'est une chance de le voir ici. Hein. Encore une. Terminé. Tout va bien. Bah, je trouvais ça light. Je pense que je vais aller courir un petit peu là. D'accord, ok. Histoire de... Je vais courir pour vomir. Comment ça chauffe? Les deux équipes sont prêtes. Tranquille, easy, on verra, mais on va essayer quoi. C'est un fond là. On la prend cette victoire. On la prend. J'ai très 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 peur en direct de faire un combat de boxe. C'est très intense, il y a tout type de sportifs, donc c'est impressionnant. On les voit vraiment se donner à 100%, donc moi ça me motive. Mais on est prêt. Tout bon lifter, lift en chaussettes, que ça plaise aux salles de sport ou non. Après on voit que les athlètes, ils ont chacun leur spécialité, c'est ça qui est bien aussi. C'était incroyable! Et je me demande même si c'est possible physiologiquement, je reviens pas. Là, je sais pas, peut-être qu'il y aura des points malus au niveau des pompes adverses, on sait pas encore. Il y a juste les t-shirts, la couleur des t-shirts qui me dérange un peu. C'est quoi toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ressens même une petite crevette. J'ai un requin moi. Non? Ah, nickel. Nickel, il y a des nouvelles têtes, hein, mais ça va.
apprend à se connaître, c'est cool, vraiment, ça c'est très bien. Mais bonne équipe, bonne petite team. Petite pause déjeuner, on nous a servi des petits burgers là, Big Burger Nutribus. C'est diète. Et d'ici une heure ou deux, on va recommencer les épreuves. Dans l'équipe de Coco Quiz, on retrouve Edouard. Full burger, full frites, que du sucre, que du gras, méga prise de masse. On va recommencer. Là, j'ai cuisiné un truc. Épreuve intermédiaire, bras de fer. Donc, s'ils gagnent contre le mec, ils peuvent soit réduire leur temps de 30 secondes, soit appliquer 30 secondes de pénalité à une autre équipe. Okay. Chaque équipe choisit un champion qui va affronter leur champion. Okay. C'est vraiment encadré par toutes les plus grandes instances, ce qui fait que c'est un sport officiel avec des normes, des règles, des champions du monde et tout ce qu'il faut avec, quoi. Après, c'est dans la cage, Saladin. Après, c'est dans la cage. Oui, il y a un aspect très technique dans le bras de fer. Il y a beaucoup d'axes sur lesquels il faut travailler qui sont très spécifiques, surtout au niveau de l'avant-bras où genre, bah, tous les axes de l'avant-bras travaillent. Allez, allez, allez. Oh, putain, les airs. Oh, bâtard. On s'en fout, s'il vous plaît. Allez, Julien. On passe au t-shirt. Vous avez vu ou quoi? T'as filmé quand le bras de fer? Le team est costaud, hein. Il est pas vice-champion pour rien. Mais ça se voit que sous le t-shirt, il y a un physique imposant quand même. On connaît les t-shirts XXL comme ça. Ouais, comme le mien. Ouais. De prendre 30 secondes pour nous. On est fair play, genre, on est sport. Et ça leur a permis d'aller gratter la 6ème place. Mais c'est pas ouf, hein. On était un petit peu lent en rameur. Tout va jouer sur cette deuxième épreuve. Maintenant, saute. Début de la deuxième épreuve. Allez, c'est parti. On a développé couché, traction et farmer walk. Il va falloir jauger là, il n'y a pas de tactique là. Je peux pas le faire avec mon tendon, le farmer walk. La stratégie. C'est la merde. Ah ouais. Toi, tu vas sentir aussi. Ça fait l'équipe de Erstoviak. 5, 6, 7. Trop léger, putain. 5, 5, 4, 3. En termes de temps, on a une seconde de l'équipe qui est deuxième, on est classé troisième. Donc on a juste à les battre d'une seconde et on va en finale. Fair play. Voilà, on a montré aujourd'hui, on n'est pas venu pour rien. Là c'était rapide mais plus dur au niveau de la force. En quatrième position, l'équipe de Rico Powerlifting. Et enfin, on monte sur le podium. En top 3, l'équipe de Aiki Cher Fitness. En deuxième position, l'équipe de Kant. Au top de la liste, au top du classement, les meilleurs des meilleurs, l'équipe de Julien. Afin de les départager, on va passer sur les promos intermédiaires. Chaque équipe. Je pense qu'il va falloir déchirer Greg. Bah, ils vont essayer de me mettre par terre. Et s'il gagne, il gagne 30 secondes, je crois. Bah, je vais tout faire pour rester debout. Il faut que Greg pose un seul genou au sol pour Greg. Mais pas qu'il se jette en arrière comme des. Voilà. Un truc un peu propre. Bah, grosse force à toi et on s'attrape pour une prochaine bagarre. Ils ont une minute. Qui commence? Ah bah je sais pas hein. Je pense qu'il va pas blaguer. En plus, l'année dernière, j'étais le seul à l'avoir battu. Et quand il est arrivé, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit la revanche. Donc... Allez! Très propre. Coach Higari. C'était même mieux que les épreuves classiques. Il y a une ambiance, tout le monde est en cercle, ça prend vraiment bien. Vas-y.
T'as pas voulu aujourd'hui. Qui sera le prochain challenger? Qui va me tuer? Parce que sinon il va me tirer le t-shirt. Bah je sais pas, on retourne au camp d'entraînement et après on reverra plus tard. Parce que là Axel il a besoin de repos là. Merci Greg. Déjà battu c'était facile l'année dernière, j'espère que ce sera plus dur cette année. Je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression, en fait je crois que j'ai compris c'est quoi le multiverse. C'est ça le multiverse. C'est chaud ce qui se passe. Film. Allez gros. Allez le doc. Lâche pas la pierre, fais-lui une ordonnance. Même la volonté ne se fait pas. Donc il va y aller sérieusement. On va prendre 5, 4, 3, 2, 1. L'égalité homme-femme sur un tatami. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je dirais que c'est Greg. Après on va faire des trucs bizarres. Je suis un requin. Je suis pas une crevette. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Le vieux il aura mis du fil à retordre. C'est la finale, la grande, la fameuse, la prestigieuse, la team de Aiki contre la team de Kant. Et la petite finale ce sera Julien contre Rico. Et les autres? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, tout le monde est éliminé là. Non, pas de finale cette année. Attends. En fait, on a déjà gagné la compétition. Ouais. On a fait une photo avec la coupe. Donc en fait, même si on gagne pas, je mettrai une story sur Instagram. La team de Bravra a gagné le Nutrimus Challenge. Voilà. C'est simple que ça. Déjà, on va appuyer sur le bouton là. Tu vas arrêter tes conneries. L'épreuve va être tard. Je suis en train de voir là tout ce qui va se faire. Quentin le méchant. Hein. 80 kg DEP militaire. Ah, c'est beaucoup quand même. 50 calories à l'assaut bike. Ça va être une horreur. C'est pas réalisable par des humains, je pense. Du coup, bon courage. En plus, c'est même pas l'assaut bike, c'est de l'éco bike. Ouais, c'est pire. Après, c'est les athlètes Nutrimus. C'est les meilleurs, donc ils vont le faire. On espère. En tout cas, je suis du cœur avec eux. On va pouvoir commencer. Je demande juste du bruit juste avant, s'il vous plaît. Allez. C'est la dernière épreuve. Allez, ça m'a l'air. On appelle donc l'équipe de Rico pour les féliciter bien fort. Troisième. C'était incroyable, mais c'était dur, mais c'était incroyable. J'avoue que l'assaut bike pour finir la journée, c'est chaud. C'est la finale. C'est la finale. La grande, la fameuse, la précise. Ça va péter. On gagne ou je finis HS et j'aurai tout donné. Voilà, on va se donner à fond, tout simplement. C'est ça. Qui j'imagine gagner? Il y a du level quand même. Du level bon de crossfitter évidemment. Des gens cardio. Pas des gros. Que le meilleur gagne. Ils ont de la chance, on n'est pas là. Déjà. 3, 2, 1. Stop. C'est maintenant la dernière ligne droite. Les deux équipes. On va voir qui arrivera premier, qui arrivera deuxième, qui pourra sauver la coupe et la ramener à la maison.
Ils sont chauds, ils sont bouillants, c'est maintenant. Une réclamation. Il y a plus de kilos ici qu'à côté, du coup il y a des changements de temps à faire. C'est ce qu'on s'est dit, on a mis plus lourd. T'as mis 60 au squat. On a pris des charges un peu plus légères, on a joué la vitesse. Ils ont été très forts sur le développé militaire, 10 kilos de plus je crois. Et ils ont assuré, donc faut être fair play. Surtout ce qu'on retient c'est l'état d'esprit, on s'est surpassé, on a kiffé. Et dans ma tête, j'ai fait une grosse perf, donc je suis très fier de ça. On est vainqueur dans le cœur. Voilà. Et sur un requin, il n'y a pas de. Ça a permis vachement de faire des rencontres, notamment des athlètes qu'on connaissait pas, aussi de rencontrer toute la team Nutrimus qui est derrière, tous ceux qui ont organisé l'événement. Franchement, c'était vraiment top. Dynamique, là l'ambiance, même le fait de rencontrer des gens qui viennent nous voir et tout, nous encourager, c'était vachement motivant. Et franchement, c'est à refaire. Du coup, on va passer au podium. Sur le piédestal, j'appelle l'équipe des syndicalistes, s'il vous plaît. Charlie Monster, Clément, la team de Rico, à la deuxième place. J'appelle la team de Aki. À la première place de la deuxième édition du Nutri Muscle Challenge, la team de Monsieur Kant. Ils ont été grands aujourd'hui. Ils le méritent, ils peuvent être fiers d'eux. Ils ont fait la guerre, une grande bataille. Je suis fair play. Y'a rien, y'a même pas de bière. Bravo, bravo. On peut les applaudir. Encore une fois, un tonnerre d'applaudissements pour les grands vainqueurs, les grands gagnants. La team de Kant. J'ai une réclamation pour l'équipe 8. Je me demande si en recomptant les points, il n'y a pas moyen qu'on remonte à la première place. À l'année prochaine.